Eh bien salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur BeamNG, ça fait longtemps et ça fait plaisir. Je suis avec ce Gavril, c'est un tout-terrain diesel. Il va y avoir un couple énorme là-dessus et on va en avoir besoin. Pourquoi ? Pour ça. Ça s'appelle une caravane. Non, c'est une remorque. Et on va aller tout de suite l'accrocher à mon petit crochet. Pour ce faire, je vais me garer là, j'appuie sur L, je vais venir accoupler ça comme un... Alors d'abord sachez que je me suis couché très tard, minuit, et je me suis levé super tôt, il est 9h40. Alors je vous explique, on va partir de là, le petit point où je suis, et l'objectif ça va être de venir récupérer une voiture de luxe dans ce petit village pour aller la livrer à mon client fortuné qui habite dans ce château. Le tout sans abîmer le tout. J'ai pris un des plus gros 4x4 de sa catégorie. Je pars en sens inverse d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a combien de sorties sur ce rond-point? Je suis déjà paumé, on n'a pas fait 50 mètres. Carte. On va dire qu'on est bon. Allez, on va devoir être très prudent car la route glisse. Ma remorque est vitrée sur les côtés. J'en tremble déjà à l'avance. Oh là là. Non. Elle n'a rien. Le plus important, c'est la remorque. C'est la remorque le plus important. Non. Non mais attends, il y avait une ornière. C'est l'échauffement, je suis pas réveillé, d'accord. On va se sortir de là. Allez, sors, sors. C'est bon, oh là là, heureusement que j'ai une patate d'enfer. On repart sur de bonnes bases. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner avec la cloche. Ça va me donner beaucoup de courage pour arriver au bout de cet exercice. C'est bon, c'est géré. Croisement des quatre chemins. Mais comment je sais où je vais, moi? Je suis sous la terre. Ah, je crois qu'on aperçoit le château là-bas, tout au fond. Restez jusqu'à la fin pour les nouvelles expériences. J'ai des nouvelles herses de police. Et à l'inverse des anciennes... Eh ben, elles sont stylées. Attention, nouvelle difficulté. Trafic. Allez, c'est parti, j'engage. Ça va être tout droit ici, je crois. Est-ce que je me suis pas trompé de route encore une fois? Demi-tour. Je sais pas où je vais, là. Surtout, n'hésitez pas à m'embaucher si vous avez une entreprise de livraison de voitures de luxe. Je fais vraiment bien mon job. C'est reparti. Bip, bip, bip. Au fait, ratez pas le concours Instant Gaming, un jeu gratuit à gagner. Pour ça, c'est tout simple, le lien est en description. Vous mettez votre jeu, vous attendez la fin du décompte et vous voyez si vous avez gagné. Bonne chance à tous! Oh tiens, ça y est, super bonne nouvelle, le trafic est apparu. Ah, ils arrivent tous en même temps, c'est bizarre. Ça doit être l'heure de pointe, ils se sont tous levés en même temps. Stop, alors là, on s'était trompé, c'est à droite. D'ailleurs, est-ce que je vous ai parlé de l'intérieur de mon bolide? C'est de l'épicéa de Nouvelle-Guinée. Oh magnifique, et attention, attention, le virage, mais il est traître celui-là. Surtout n'hésitez pas à mettre des panneaux pour avertir les virages, parce que là je me suis fait peur. Et j'ai pas vraiment le droit à l'erreur vu le chargement que j'ai à l'arrière. Et encore, hein, pour l'instant il est vide. Mais attends, il manque un truc pour le réalisme là. Je vous présente le Crash Hard 2000, ça va nous faire un peu de compagnie et ça ajoute du réalisme. Réalisme assez relatif quand même, mais il est là. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui me fabrique cela? Oh putain. Je vois rien. On passe devant un magnifique clocher qui est en train de sonner ses cloches. Eh bien, ça m'amène à la dédicace. Devinez dans quel environnement je peux me trouver à l'heure actuelle, à quoi correspond cette map. Je vais vous donner un indice parce que sinon ça va être dur. Ça va pas être seulement une ville, un pays ou quoi que ce soit, mais ça va plutôt être une zone géographique qu'il va falloir me citer. Et pour ceux qui auraient du mal à deviner, regardez, à ma droite, il y a des grandes montagnes bien enneigées. Allez, bon courage. Mais je suis où? Non, c'est moi là? C'est moi? Mais je suis pas du tout où il faut, mais qu'est-ce que je fous? On va revenir par cette route rapidos. J'ai des problèmes d'orientation, je ne suis qu'une biquette après tout. Oh, une Siri! Bon bah c'est bien, on découvre la map. Regardez comme c'est beau. Tango Charlie, arrête de tanguer. Oh putain, le drift. Attention! Eh hey, mais la map elle est magnifique, j'adore. Par contre, c'est toujours aussi peuplé ces routes. Oh là là, est-ce que je passe? Est-ce que je passe? Je passe! Votre attention, je vous prie. Oh, j'ai eu chaud. J'ai cru qu'on allait tout casser. Ouais, c'est bon, on y est. 60 km de détour. Mais c'est pas grave, le tout, c'est d'arriver à la destination. Ça y est, je rentre dans cette petite ville. On dirait un truc médiéval, mais rénové. Allez, je m'arrête juste là. Allez, on descend. Attends, j'ai pas coupé le moteur. Qu'est-ce que je fous? Ah, voici le bolide. Vente entre particuliers sur le bon coin. Propriétaire habite là, je vais aller faire les papiers et ensuite on y va. Oui. C'est tout bon, on peut embarquer la bête. Alors ça, c'est une voiture qui coûte plusieurs millions de dollars. Donc on va devoir en prendre très soin. C'est pour ça qu'on a fait appel à mes services.
sans l'enfumer. On va venir abaisser le volet dépliant de manière automatique, c'est une remorque très moderne. Hop, c'est fait. Moment un peu crucial, on va se mettre bien droit et l'objectif ça va être de monter la voiture sans l'abîmer. Et surtout sans rayer le pare-choc avant puisque c'est très très bas. C'est bon, ça ne touche pas le pare-choc. Cette voiture a une garde au sol irréprochable. Regardez-moi ce travail, mais c'est magnifique. On a oublié de mettre le frein à main. Attends, faut que je remonte dedans. Ah, j'adore mon nouveau job, c'est vraiment splendide. Bon, maintenant on va se dépêcher un petit peu parce qu'on est à la bourre. Client commence à s'impatienter. Et là, je sens que ça a rajouté du poids, alors on va devoir être encore plus prudent. Je me suis gouré de route. Putain, non, j'ai pas fait ça. Oh, je me suis gouré de route. Hop, sur une nationale. C'est réaliste. Allez, on est reparti! Wouhou! Ouais, c'est énorme! Ensuite, je crois que c'était... Attention! Elle n'a rien, cette bagnole! C'est bon, elle est costaud. Tant que la voiture de dedans est intacte, c'est bon. On continue un lacet et on y arrive bientôt. Oula, cette courbe-là, elle a l'air un peu traître. Hop, je raccélère. Hop là, pardon. Ça y est, on arrive au carrefour. Je regarde s'il y a une voiture, c'est bon, on peut y aller. Le stress va bientôt redescendre quand je serai arrivé. Bon, sinon, ça va, vous? La rentrée, ça s'est bien passé? Énorme. Pendant qu'il y en a qui font des vidéos, là. Oh non! Mais j'ai encore dépassé le truc! Oh, là, je vais me faire virer, là. Vas-y, là, j'ai plus le temps, par contre. Le château, il est là, mais comment je l'ai raté? Le truc fait 6 km². On va partir direct ici, en tout terrain. Et on va rattraper la route supérieure. Sinon, je vais perdre mon boulot. Attention aux arbres! Oh là là, il y a un trou! C'est bon, ça passe! Heureusement, j'ai bien sanglé la bagnole, elle ne bouge pas. J'espère que je vais pas craquer le moteur de mon diesel là parce que le truc il est en train de galérer. Oh là là, oh c'est raide. Oh putain! Dans quel bourbier je suis en train de me foutre! Oh non, je suis foutu! Attends. Tac, tac. On a eu de la chance, j'ai réussi à rattraper cette route. C'est vraiment un miracle. C'est à gauche! L'entrée du château! C'est bon, on y arrive, on va être dans les temps. Attention quand même ici, c'est un peu bosselé. Terrain un peu sinueux, c'est du tout terrain, mais ça passe. Oh, j'y crois pas, on va le faire, et du premier coup. Ouais, le château, ça y est, on y arrive. Coucou, c'est moi. Le cadeau est arrivé. Mon roi, sortez de votre comble. Mon roi, est-ce que vous m'entendez? Je burn out. Bon, allez, je vous le dépose là, hein. À la prochaine, salut. Plus rien à foutre, j'ai déjà perdu mon job de toute façon. Oh, un stunt. Ouais. Oh, magnifique. Oh, sur une autre bagnole. Mais il était parfait, celui-là. On aurait dit un truc de film. Oh, c'était une bête d'idée, ce scénario, mais alors ça prend beaucoup de concentration et tout, et dans ce jeu, j'ai pas l'habitude. J'aime bien tout péter. On va faire un accident réaliste, vu qu'il y a le trafic, regardez, je double. Là, je pense avoir le temps de me rabattre. Attention, ça passe. Bon, bah, pas d'accident. Et, ah, bah voilà, mon accident. Ah. L'autre a tourné sans clignotant et c'est la catastrophe. Ah, ça roule toujours. Attention, je tiens plus la route, là, c'est fini. Oh putain, on y a échappé de peu. Ah, ça y est, le moteur. Allez, suivant. J'ai trouvé 2 petits scénarios pour aujourd'hui. Pour se défouler, ça va être parfait. J'y comprends pas grand-chose. On va y aller, on va voir si je suis... échec. 0,0,75. C'est un record de l'échec le plus rapide de toute l'humanité, là, je crois. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai mal fait? Je comprends pas, là. Peut-être en marche arrière, genre... Eh, mais là, il y a un truc, là. Eh, mais je crois que c'est un bug. Il y a un bug graphique. Je peux encore jouer malgré l'échec. Vire-moi ça, là. Regarde ce qu'on va faire. Conduite libre. Ah voilà, c'est bon. J'ai réglé le problème en mettant conduite libre. On peut y aller maintenant. Je vais pouvoir faire cet exercice de manière plus visible. Il y a un voleur de savate devant. Il faut que je l'arrête. Oh putain, il faut que je mette le noce ici. Attention. Ouais.
comprends pas. C'est ça qu'il faut faire? Je comprends rien. Je croyais que c'était marqué facile sur le mode d'emploi du scénario. Pourquoi je galère? Alors, vous savez quoi? On va pas lire. On va juste regarder. Voilà, il faut prendre la rampe avec deux roues et passer après le pont. C'est bon, les caméras sont en place. Alors, j'y vais, hein. Je me lance. Ah ouais. Ah ouais, magnifique. Ah ouais, bien joué, ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rocher devant. Attends, eh oh, on va pas me la faire à moi. Ah, voilà, là, c'est mieux. Oh, putain. Raté. Ah d'accord, j'ai compris. Oh, vous allez halluciner. En fait, l'objectif, c'est pas de sauter par-dessus le pont. Vous allez voir. Faut réussir à prendre ça, pas décoller trop haut et taper le véhicule. Oui. Oh, j'ai réussi cette fois. Regardez bien ce qui va se passer, ça va être impressionnant. Je recule la caméra, le camion arrive, et là... Ouais. Ouais. Oh, c'est énorme. Regardez ça. Wouhou. Oh my god, c'est trop bien fait. Le pont s'est effondré à cause de la surcharge du camion et des deux véhicules accidentés. Oh, c'est magnifique. Oh, la dinguerie. Ça, c'était un des meilleurs scénarios qu'on ait jamais fait. Eh ben, vous savez ce que ça veut dire, on arrive à l'expérience finale. C'est parti. Attends, fais voir juste le pont, ce qu'il en reste. Oh, c'est trop stylé. Attendez, on va sauter par-dessus. Nickel. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il n'y aura pas les expériences avec les Hertz, puisque je vais devoir régler quelques problèmes. Ce sera pour la prochaine vidéo. Mais regardez ce que j'ai à la place. Downhill Destruction. Oh là là, comment j'ai hâte. C'est parti, on y va. Le Destruction Downhill. Le but, ça va être de rester le plus longtemps en vie avec ma super cargaison très coûteuse. Je vais essayer d'esquiver tout ce que je peux. Par exemple, les rampes sur les côtés, hein. On n'en veut pas. Ça, c'est pareil, ça va me faire décoller. Tout ce qui fait décoller, je dois l'éviter, n'est-ce pas? Oh là là, ça commence à faire peur. 100, 200 km/h. Oh là là, c'est dangereux, c'est très dangereux. Ouais. Oh putain. Ah ouais, ouais. Ah ouais, alors il porte bien son nom, le truc. Ah, finalement, l'expérience finale est pas si mal aujourd'hui, j'aime bien. Cette fois-ci, on va essayer de tout faire pour arriver à la ligne d'arrivée en un seul morceau. On va voir si j'en suis capable. Le retour de notre petit bonhomme. Alors là, on va commencer à freiner parce que... Oh là là, oh là là. C'est pas bon, c'est très très mauvais. Attends, oh, on est en train de faire un 3-6. Non. Eh, ça va, on est encore en vie, on est encore en vie. Vas-y, il reste une chance. On est bon, la remorque est toujours accrochée à la voiture. Jusque là... Bon, là, on est un peu moins bon. Bon, ouais, c'était bien essayé. On va la refaire, on va la refaire. Cette fois, on va prendre la descente un peu moins rapidement. Ouais, c'est juste là, il faut ralentir un peu quand même. Parce que j'espère qu'il a des bons freins, mon 4x4, parce que là, ça descend raide. Oh là là, ces tornières qui m'ont mis là, c'est bon. Freine, ici, c'est très très risqué. Oh là là, je tiens bon, je tiens bon. S'il te plaît. Ouais, ouais, on est toujours bon, là. Yes. Ça va le faire, ça va le faire. Oh putain. Ouais, ouais, c'est bon. Oh, incroyable. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Ok, j'ai un dernier test à faire, ça va être juste incroyable. Depuis que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, j'arrêtais pas de penser à ce moment-là, maintenant. Et c'est... Non, c'est pas réussi. Eh, j'ai failli y croire, hein, pendant un moment. Je pensais qu'on allait le réussir. Ce qui m'amène à ma dernière expérience, j'ai eu une idée. Il va falloir que je gère plein de trucs en même temps. C'est parti, on y va, on accélère. Vous me direz ce que vous en pensez. On va laisser descendre mon 4x4 comme ça. Maintenant, on va changer ça. On va descendre la rampe. On va arriver sur le saut. Et là, maintenant, je vais prendre la voiture. Reculer. Recule. Ouais. Vas-y, recule. Non. Ça a pas marché, malheureusement. Bon, ça mérite un petit dernier quand même. C'est bon, j'ai tout en tête. On va y arriver. Le dernier essai de cette vidéo, l'essai final. Vous serez pas resté jusqu'à la fin pour rien, comme d'hab. Je descends le machin. Je prends la voiture. Allez, on y retourne cette fois. Sors de là, sors de là. Merde. Ouais, c'est bon, je suis sorti.
c'est bon. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était BimNG, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mettez-moi ça en tendance. Gros pouce bleu, abonnez-vous bien avec la cloche. Et à la prochaine. Ciao, ciao.